Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et aujourd'hui on est parti pour un vidéo test de Zapper, un jeu sur GameCube fait par Infogrames, et oui. Après je sais pas exactement quelle date il a été fait, peut-être 2003. Alors je suis rendu à 44%, mais je vais d'abord vous montrer. Bon, je suis rendu à 44% mais j'ai fait presque tous les niveaux, parce que après il y a d'autres trucs à récupérer je pense. Alors le multi c'est juste on peut jouer à 4 simultanément. Bon, c'est juste sur la GameCube hein, parce que sur je pense pas que sur PS2 on puisse jouer à 4 simultanément. Non, c'est à 2 maximum. Et c'est juste des mini-jeux quoi. Juste des mini-jeux multijoueurs. L'arcade c'est pour choisir tous nos niveaux rapidement. Tous les niveaux qu'on a fait, vous voyez qu'il m'en reste 2. J'ai pas tout fait. En même temps, ça fait super longtemps que j'ai plus fait ce jeu-là et je l'avais pas fini. Mais... Et vous voyez qu'il y a plutôt pas mal de niveaux. Même si c'est pas non plus un jeu très très long. Niveau de durée de vie. Là, on peut voir les meilleurs temps. Et les pires temps. Après, moi, j'ai pas touché au mode arcane. Juste fait le scénario. Le scénario, c'est... Bah, en fait, c'est à peu près la même chose, en fait. Et si vous avez vu l'intro, hein, l'introduction, ça résume en gros l'histoire du jeu. Hein. Vous voyez, c'est pas incroyable. L'histoire du jeu n'est pas très conséquent. Hein. Surtout le gameplay, on va surtout parler du gameplay. Parce que bon, en gros, c'est... Je sais pas, c'est Zapper qui se chamaillait avec son frère, je pense. Enfin, je pense que c'était son frère, j'en sais rien. Enfin, c'était une larve. Ils regardaient la télé ensemble, les infos. Ah, là, vous voyez, c'est le premier monde. Pas mal le petit menu. Il est assez sympathique. Et voilà, ils regardaient juste les infos. Et à ce moment-là, ils se chamaillaient, donc ils ont pété la télé. Enfin, ce que vous avez vu sur le truc. Je vous montrerai les mouvements après. Donc ils ont pété la télé, puis après il y a son frère, enfin ou son pote, j'en sais rien, qui s'est fait kidnapper par un grand méchant oiseau, un corbeau quoi. Vous voyez que c'est un jeu, une espèce de jeu de stratégie, hein, enfin c'est en vue de dessus. Sachant que ça fait plutôt plateforme, mais enfin c'est pas totalement plateforme, je sais pas comment expliquer. Bon, à chaque fois qu'on va sur ces cases là, il y a l'un des amis de Zapper qui lui donne des conseils, hein.
Zapper, c'est une sauterelle, hein, comme vous le voyez. Et donc, à chaque fois, elle saute d'un pas, exactement. Hein. Mais en appuyant sur le bouton A, on fait deux pas. Oui, si jamais il y a... Si jamais, par exemple, il y a un trou et on doit le sauter par-dessus, bah, on est obligé d'appuyer sur A. Ou les boutons de tranche R et L servent à se tourner comme ça, sans bouger. Sans être obligé de faire ça, puisque sinon on est obligé de faire ça. Donc voilà, c'est bien pratique. Même surtout, faut toujours s'en servir. Hein. Bon là, il nous dit qu'il faut appuyer sur le bouton A pour sauter de là, voilà. Enfin, sauter d'ici plutôt. Bon, les œufs, c'est des trucs à collecter, hein, mais... Bon, ça a rien de... Merde. Je me fais poursuivre par un espèce de truc. Voilà, comme vous voyez, je me suis complètement viandé. Si j'avais réussi à avoir toutes les orbes jaunes dans le bon ordre, parce qu'il y avait un ordre précis, hein, à chaque fois prendre l'orbe jaune qui brillait avant... Et bien après, mes antennes étaient toutes électriques et je pouvais faire une grosse attaque au lieu de faire ça. C'est le champ d'électricité était beaucoup, serait beaucoup plus gros. Voilà, je viens de récupérer une vie. Sachant qu'on peut perdre des vies très rapidement. Mais bon, Infogram n'ont pas fait non plus un jeu de psychopathe hein, comme ils ont fait d'habitude à l'époque. Là, c'est franchement un jeu pas très difficile. Bon, des fois, il y a des niveaux un peu relous, mais... Merde. Bon, là, vous voyez, je suis resté appuyé sur le bouton A, mais en fait, faut pas trop rester. Si on reste appuyé sur le bouton A, il vole à moitié, comme ça. Pour que, bah, que ça aille moins vite, qu'on anticipe plus les mouvements, je sais pas, moi. Mais si on appuie vite fait sur A, et bah, il fait direct son saut, il fait un salto direct. Donc voilà, et c'est tout. Après, le bouton Z sert à regarder bah, combien d'œufs on a eu et combien d'orbes on est, à combien d'orbes on est. Sachant que les espèces d'orbes là, ça sert à. Enfin, les sphères plutôt. Ça sert à. Ah bah, tenez, c'est. Ça, c'est les espèces de lucioles là, c'est pour nous donner le pouvoir de faire ça. Et on peut le faire quand on veut. Merde, je me suis planté comme une bouse. Bon, ça arrive des fois ça. Ah, il y a le bouton C aussi pour... Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Pour s'amuser à faire le maboule. Sinon, je crois qu'il y avait un bouton pour savoir à quel endroit où faut aller. Mais je sais plus quel. Attends. Ah si, voilà, c'est le bouton Y. Le bouton Y, c'est pour savoir où aller. Là, il nous dit d'aller en bas. Alors qu'il faut aller en haut quand on est là. Très étrange, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on peut les tuer avec ça, non? Ah non, on peut jamais les tuer ceux-là. Remarquez que ça fait un bruit assez bizarre quand on le touche. Bon, vous voyez, graphiquement, c'est pas non plus un truc de psychopathe. Bah, y a pas mal de textures assez floues, bah, comme cet arbre par exemple. C'est quand même assez honteux pour de la GameCube. Sachant que quand même. Oula. Sachant quand même il y a eu avant des jeux mythiques comme Star Fox. Mais bon, c'est fait par une société mythique aussi, hein. ROR. Là vous voyez l'eau n'est pas transcendante. C'est pas incroyable. Donc franchement, quand on joue à ce jeu là, on se croirait vraiment pas sur le GameCube quand même. C'est pas non plus un jeu magnifique. Même si c'est pas non plus un jeu très très laid, hein, c'est passable. Bon, c'est quand même un peu mieux qu'un Shrek. Hein. Oh là. Bon, là, faut éviter les espèces de je sais même pas ce que c'est, des renards, ou peut-être. Bon, sinon, vous voyez, le bouton C sert pas à grand chose. Alors, on peut tuer quelques ennemis, les escargots, sauf ceux. Pas les escargots, non les larves, mais sauf ceux qui ont une coquille, bien sûr. Les escargots qui ont une coquille, c'est pas possible. Ça, je pense pas qu'on peut les avoir là, les espèces de fourmis rouges. Non,
On peut avoir très peu d'ennemis, hein. Même les seuls qu'on peut avoir, c'est... Bah, je vous l'avais déjà dit, voilà. Ah. Et là, on vient de finir un niveau. J'ai eu tous les œufs en plus, donc bah, c'est parfait. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un jeu pas très difficile, alors que c'est Infogrames qui était aux commandes pour ce jeu. Étrange. Je trouve ça vraiment étrange. Infogrames a bien changé, hein. Surtout que là, ils ont pas fait un jeu pourri. C'est plutôt un jeu moyen, mais ça va. C'est un bon petit jeu, hein, si... Si vous voulez perdre 20€, je sais pas, prenez ce jeu-là. Enfin, maintenant, il doit plus être à 20€, j'en sais rien. Mais bon. Bon, vous voyez, les textures, c'est pas très magnifique. Attends, est-ce qu'on peut aller là-bas? Ah bah non. Bon, vous... Comme ça, vous avez vu une petite animation. Et ils ont fait l'effort de faire pas mal d'animations, hein, quand on se fait tuer. Par exemple, là, je me fais couper en deux. C'est pas mal. Bon, par contre, c'est un tout petit peu gore. On voit un peu les organes du petit zapper. Mais bon. C'est quand même un jeu assez comique et qui fait cartoon. Là, vous voyez, c'est pas difficile, on est dans les premiers niveaux. Mais bon, après, ça se corse vraiment. Là, il nous dit que les lucioles qu'on libère se masseront pour te donner un super flash. Ah, il va. C'est ce que je vous ai dit, les lucioles nous donnent un super pouvoir. Faire un super flash, comme il vient de me dire. Et je sais pas, on peut griller les carottes? Non, j'en sais rien. Ça aurait été drôle. Bon, là on voit divers fruits, parce que bien sûr on est tout petit, donc on voit le monde en grand. Là, je me suis planté. Comme quoi, hein, il y a des passages des fois un peu... Ah, faut pas faire n'importe quoi. Le petit bois. Avant, ils ont pas trop réfléchi pour les noms. Bon, sinon au niveau de la fluidité, ouais, bah c'est pas non plus un jeu très très fluide, hein. Je pense que qu'on n'est pas à chaque fois dans les 30 FPS constants. Mais... C'est quand même pas mal. Bon, c'est pas un jeu de plateforme, alors bon, c'est pas trop gênant. C'est un espèce de puzzle game, on va dire. Ah, je sais pas exactement comment situer ça. Ouais, je pense que ça c'est pour... On peut exploser ces coffres là grâce au super flash. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il nous confère ce pouvoir ici. Ah, et on peut péter ça aussi. Peut-être qu'on peut le péter sans avoir le super flash, j'en sais rien. Vous voyez, le jeu n'est pas linéaire. Puis les animations de zapper, bon bah, sont un peu hachées, mais bon, ça peut aller quand même. C'est une sauterelle, quoi. Pas besoin de faire un truc de psychopathe. Vite. Bon, là, ça fait un peu de plateforme quand même. Si, bon, on peut péter les vases quand même, enfin les pots. Moi, sinon, je crois que c'est tout, hein. Pas grand chose à rajouter. Je vais vous montrer un niveau plus loin pour que vous voyez autre chose à part les environnements du du lac. Enfin, du lac, je suis un peu gentil, c'est plutôt un marécage. Quand même assez ignoble des fois, les textures, ça a assez mal vieilli. À l'époque, je me rendais pas compte de ça, parce que quand on est petit, hein, on fait pas gaffe. Mais ici, franchement, c'est un jeu qui n'a pas trop bien vieilli, on va dire.
après, si c'est un jeu maniable, oui, c'est un jeu très maniable. Hein. Enfin, il y a des fois, on risque de se planter sans faire exprès, parce que sachant que Zapper se dépasse toujours d'une case, qu'après, on risque de se planter. Ah, vous voyez, là, grâce à ça, j'ai le pouvoir des lucioles, je pense, non? Alors, il y a une lucioles qui me suit. Je sais plus ce que c'est, ça. Bah, sinon, il y a... On peut aussi ramasser un objet qui nous permet... vous voyez, une animation sympathique. Ah si, ça permettait de faire marcher ça. Allez, je me souviens. Ça permet de faire marcher les petits trucs verts. Donc c'est très très important si vous voulez tout avoir dans le jeu. Bon, encore une fois, la durée de vie n'est pas incroyable. Il n'y a pas beaucoup de niveaux. Ah, plus tard, les œufs, on les verra éclore, et ce seront des méchants petits moineaux. Enfin, moineaux, je sais pas si on peut les appeler comme ça, parce que ils sont pas mimi, c'est pas des moineaux, ils sont moches. Voilà. Merde. Bah, vous voyez que les chargements sont assez stylés, là, avec des éclairs. Donc je voulais pas revenir là. Retour à la carte, oui. Bon, je vais pas trop vous spoiler quand même. Je vais vous mettre le monde 3, je pense. Mais puisque là, on est dans le monde 1. Où il y a beaucoup de végétation. Là, je pense que c'est toujours le... Ah non, là, c'est le monde 2. Le monde 2, toujours. Là où il va y avoir des engrenages et tout. Là, on sera dans une grotte. Vous voyez, hein. Celui-là, il est pas mal, celui-là. Le monde 3. On est au Far West. Et on combat des fantômes. C'est très logique. Voilà, il y a des fantômes. En fait, c'est à moitié Far West, mais à moitié Halloween. Je fais un peu gaffe à cela. Et là, la particularité de ce niveau, c'est que, voilà, on peut... Bon, on fait brûler ce machin pour que ça... Ça aille exploser la bombe, quoi. Le tonneau. On fait gaffe au trou. Merde, je suis complètement viandé. Vous voyez des petites erreurs comme ça, ça peut arriver. Là, j'en sais rien comment on la voit. Si, bah, je pense qu'on est obligé d'avoir le truc vert, donc je me suis complètement jandé, donc on peut pas l'avoir. Vous voyez, la tête de Zapper là-bas, c'était bien évidemment une vie. Attention aux fantômes. Sachant que les œufs, quand ils éclorent, bien plus tard, bah, comme là on est rendu pas très loin, enfin on est quand même au monde 3, mais voilà. C'est. Là, faut faire gaffe à ces trucs-là, qui veulent nous piocher. Ah merde, je me suis fait avoir par ça. On voyait quelques petites animations assez sympathiques. Plus loufoque les unes que les autres. Moi je me concentre. Voilà. Ah bah merde. C'était assez pourri, lamentable. La concentration ultime pour passer cet endroit. Ça se trouve, Infogrames quand même ont gardé leurs petites idées. Hein. Non, c'est un fantôme à deux balles. Vous voyez que là, il y a eu un petit temps de latence. Oh merde, j'ai failli me faire avoir. C'est assez chaud ce passage. Vite! Ah, j'ai cru que j'allais avoir assez le temps. Ah bah ça va. Parce qu'en fait, les checkpoints, c'est les œufs. Donc quand on écrase un œuf, et bah voilà, on a un checkpoint. Je suis déjà à 17 vies. Bon, bah voilà, les vies se récupèrent très facilement. J'étais qu'à 3 vies, je crois, au tout début. Qu'à rien du tout. Je crois que j'avais vraiment joué comme une merde pour être à 3 vies. Parce que comme là, on récupère quand même pas mal de vies. Je crois que c'est au bout de 50 sphères qu'on a
qu'on a une vie. On va le voir ensemble. Mais attention à l'escargot. Non. Bon, il y a plusieurs pièges, hein. Infogram a toujours gardé leurs pièges. Bon, c'est pas des pièges très durs à esquiver. Ah, oui, des fois, il y aura des petits ennemis comme ça qui se déplaceront en même temps que nous pour nous avoir. Ils se déplacent à chaque fois qu'on se déplace, quoi. Comme celui de derrière, là, qui me suit. Avec le gros chapeau, on voit même pas sa gueule, tellement que le chapeau est énorme. Voilà, c'est un... Est-ce que je peux l'avoir, là? Oui. Voilà, on l'assomme pour s'enfuir, car on est des lâches. Là, vous voyez, déjà, il y a un œuf qui a presque éclos, hein. Donc c'est marrant de voir ces petits trucs. Sauf que là, il est très facile à voir, parce que... Oula, il y a l'autre là qui risque de m'écraser. D'accord, il a carrément disparu. Ah non, c'est parce qu'il s'est fait tuer par l'épique. Enfin bon, il disparaît complètement, quoi. C'est pas très bien fait. Les ennemis n'ont pas trop d'animation, on va dire. Enfin, est-ce qu'on peut l'écraser? Ah non. Non, c'est lui qui nous écrase. Je trouve que quand on l'assommait, on pouvait l'écraser. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je me fais poursuivre, c'est horrible. C'est le gros stress. Fais gaffe au pic. Ouais, là il va crever. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, ah voilà. Là, ça doit être la première fois qu'on le voit comme ça, lui. Il a complètement éclos. Ou presque, quoi, ouais. Et donc, maintenant il se déplace en même temps que nous, donc c'est plus chaud de l'avoir. Mais bon, en un saut. Merde. Je suis planté. Donc fallait en fait d'abord l'étourdir et puis après on peut l'écraser. Allez, on fait gaffe. On y va. Elle va vite. Voilà, on fait exploser ces tonneaux. Et je pense que... Ah non, il avance pas. Mais il s'enfuit, lui, pour tout. Plutôt. Car il est inoffensif. Hein. Enfin, il peut quand même nous tuer, mais... Bon, lui, on assomme, déjà. Là, et là, je vais essayer d'avoir tous les trucs. Ah non, j'ai pas de vie au bout de 50. Comment ça se fait? Comment j'ai eu autant de vie, alors? Oh, putain, il m'a eu. Oh, ce fils de... Non mais là, il vient de m'avoir. Comme quoi, l'IA est assez intelligente. Bon voilà, sinon... Vous pouvez voir, je vais vous montrer 2 secondes de mode arcade. Hein, c'est la même chose. Je vais vous montrer un autre niveau, moi. Des petits niveaux comme ça, bon, ils sont pas bien longs, hein, franchement. Vous voyez le temps qu'on peut mettre, hein, les pires scores, le pire c'est 8 minutes 30. Bon, je pense pas que vous allez faire ça par exemple. Je sais pas. Pierre les montagnes, c'est un niveau sympathique. En gros, on se refait tous les niveaux qu'on a déjà débloqués, sauf que c'est contre la montre. Et on a 20 vies aussi. J'avais plus ça, je crois que c'était que 5 vies. Donc on a 20 vies par défaut. Merde. Bon, cette animation là par contre n'est pas très bien faite. Oui, Zapper devient en 2D. C'est assez bizarre. Sur le coup, c'est assez étrange. Sur le plan de carnivore, hein, vous voyez quand même des fois des trucs qui sont repris de Mario, hein, le plan de carnivore. C'est du classique, ça. Merde, je vais me faire voir. Voilà, ça c'est pour exploser la bombe qui est en haut, on vient. Et ça fait rien du tout. C'est peut-être qu'il y a un truc, là. Bon, je sais pas à quoi ça servit. Vous voyez, c'est
un bon petit jeu comme ça que j'avais à l'époque. Enfin, que j'ai toujours gardé d'ailleurs. Et c'est l'un des seuls bons jeux de. Enfin, plutôt bons jeux d'Infogrames. Par la suite, je pense qu'ils ont fait quand même des jeux un peu mieux. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et vous verrez les notes dans la description.